Salut à toutes et à tous. Donc, on va maintenant parler d'opérations sur les matrices. Donc, on sait c'est quoi des matrices. C'est des boîtes avec des chiffres dedans. Okay. Puis, quand tu as deux matrices sont égales si ont le même format, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Il faut que toutes leurs entrées dans leurs positions respectives, okay, soient égales. Mais quand on a des objets en mathématiques, on s'intéresse aussi à est-ce qu'on peut les combiner, donc avec des opérations, genre l'addition, la multiplication par un chiffre ou la multiplication entre eux. Je dois avouer, so it's confession time right now, la manière que je vais introduire les opérations pour les matrices, ça va être vraiment frette, dans le sens que je vais juste vous montrer comment le faire, puis je vais pas vous donner une origine qui est derrière les opérations, contrairement à ce qu'on a fait avec les nombres complexes, où ce que toutes les opérations avaient une origine géométrique avec un parallèle algébrique. Ici, on va juste apprendre à additionner, soustraire, multiplier par un chiffre ou multiplier deux matrices ensemble. Pour aucune raison, pour l'instant. OK, donc les explications puis la motivation vont venir plus tard, mais l'idée, c'est apprendre à manipuler ces choses-là le plus tôt possible, le mieux que c'est pour vous puis pour tout le monde. Anyways, donc, les premières opérations qu'on va couvrir, c'est l'addition et la soustraction matricielle. Donc, comment on fait pour additionner puis soustraire deux matrices? C'est vraiment pas sorcier. La première chose que tu fais lorsque tu veux additionner ou soustraire deux matrices, la première chose que tu checkes, que c'est vraiment important, si tu as deux matrices, si tu veux les additionner, il faut que les deux matrices aient la même dimension. Okay, donc ça, c'est absolument important. Parce que si les matrices n'ont pas les mêmes dimensions, si tu essaies de les additionner ou les soustraire, on va simplement dire que ces opérations-là sont non définies. Mais lorsqu'ils ont la même dimension, c'est quoi la matrice qui est la somme de A plus B? Mais l'entrée à la position I et à la ligne I et à la colonne J, mais ça va être simplement donné par la somme des entrées sur la matrice A et la matrice B. Tandis que la différence, elle, ben ça va être simplement la différence des entrées. Donc vraiment, là, si vous aviez eu à découvrir ça par vous-même, là, qui t'additionne comme que tu devrais additionner. Donc la meilleure chose à faire, c'est juste de faire des exemples. Donc on a trois matrices dans le prochain exemple. Donc, la matrice A, une matrice qui est une 3 par 4, une matrice B qui est aussi une 3 par 4, puis une matrice reject qui est une 2 par 2. On vous demande de calculer A plus B, A moins B, A plus C, B plus C, A moins C et B moins C. Donc, beaucoup, beaucoup de travail ici, mais ça sera pas si pire que ça, OK? Parce que première chose qu'on remarque, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on voit que la matrice A, c'est une matrice qui est une 3 par 4, 3 lignes, 3 colonnes. B, c'est une matrice qui est aussi 3 par 4, donc de même format que A, mais C, la petite reject, là, OK? Ça, c'est une matrice 2 par 2, une matrice carrée, tant qu'à être là, mais est de format différent, OK? Donc, quand je vais calculer maintenant A plus B. Donc, première chose, A et B ont le même format. Donc, A plus B va être défini. Donc, la première chose que je vais calculer, c'est A plus B. Donc, puisqu'on a le même format, qu'est-ce que je dois faire? Mais simplement additionner les entrées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 plus moins 4. Donc, j'ai mon 2 plus moins 4 qui va être ma première entrée, qui va me donner moins 2. Ensuite, je vais faire 1 plus 3. Donc, 1 plus 3 qui me donne 4. 0 plus 5. Donc, 0 plus 5 qui me donne 5. 3 plus 1. 3 plus 1 qui me donne 4. Moins 1 plus 2. Donc, moins 1 plus 2 qui me donne 1. 0 plus 2. Donc, 0 plus 2 qui me donne 2. Ensuite, 2 plus 0. 2 plus 0 qui donne aussi 2. 4 plus moins 1. 4 plus moins 1 qui me donne 3. 4 plus 3, donc 4 plus 3 qui me donne 7, moins 2 plus 2, moins 2 plus 2 qui me donne 0, 7 plus moins 4, donc 7 plus moins 4 qui me donne 3, puis finalement 0 plus 5, 0 plus 5 qui me donne 5. Donc, tu additionnes les entrées dans leurs positions respectives, that's it, that's all. Okay, c'est la même chose pour la soustraction, vraiment rien de sorcier, donc vous avez juste besoin de soustraire les entrées, donc ici,
2, maintenant, je vais faire moins 4. La seule différence que j'ai en A plus B puis A moins B, c'est que je soustrais. Donc, 2 moins moins 4 qui va me donner 6. 1 moins 3 qui va me donner moins 2. Excusez, donc 2 moins moins 4 qui me donne 6. 1 moins 3 qui me donne moins 2. 0 moins 5 qui me donne moins 5. 3 moins 1 qui me donne 2. Moins 1 moins 2 qui me donne moins 3. 0 moins 2 qui me donne moins 2. 2 moins 0 qui me donne 2. 4 moins 1, moins moins 1 qui me donne 5, 4 moins 3 qui me donne 1, moins 2 qui me donne moins 4, 7 moins moins 4 qui me donne 11, 0 moins 5 qui me donne moins 5. Donc, vous additionnez comme d'habitude, okay? Vous soyez comme d'habitude, faites juste assurer de bien faire les trucs. Puis bien sûr, toutes les autres, A plus C, A et C n'ont pas la même dimension, B plus C, B et C n'ont pas la même dimension, A moins C, même affaire, B moins C, même affaire. Donc, toutes ces matrices-là sont non définies. OK? Donc, ils n'ont pas de valeur. OK? Donc, non définies. Donc, dès que les boîtes ne sont pas de même dimension, pas de soustraction, voyons comme ça, ou d'addition. All right, la prochaine opération, c'est la multiplication scalaire. Attention, il y a deux multiplications avec les matrices. Il y a les matrices, il y a la multiplication scalaire ou il y a la multiplication matricielle. La multiplication scalaire, sa définition, c'est la suivante. OK, donc vous commencez avec une matrice, typiquement avec M ligne et N colonnes, et un chiffre K, OK, un scalaire. Alors, la multiplication scalaire, KA, donc qu'est-ce qui arrive si tu multiplies A par le chiffre K? C'est toujours défini, OK? Donc, puis l'entrée sur la ligne I et la colonne J, c'est simplement défini par K fois AIJ. Donc, tu veux multiplier une matrice par 2, tu multiplies toutes les entrées par 2. Donc, il n'y a rien de plus intuitif, là. Donc, sautons dans un exemple pour la multiplication scalaire. Donc, j'ai une couple de matrices, c'est toutes des matrices à 2 par 3, puis on veut calculer 2 fois A, moins 1 fois B, puis 1 tiers fois C. Donc, pour 2 fois A, donc ici, j'ai le 2 qui est devant le A, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est rentrer le 2 partout à l'intérieur de ta matrice. Tu fais fois 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, 2 fois 1, ce que j'ai dit. Donc, 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Donc, j'ai multiplié par 2. Je file comme un champion. OK, donc si je multiplie par moins 1, donc le moins 1 va rentrer à l'intérieur de la matrice. Donc, moins 1 fois 0 qui va donner 0. Moins 1 fois 2 qui va donner moins 2. Moins 1 fois 7 qui va donner moins 7. Moins 1 fois moins 1 qui va donner 1. Moins 1 fois 3 qui va donner moins 3. Puis moins 1 fois moins 5 qui va donner 5. Donc, si tu fais 1 tiers fois C, tu vas juste rentrer le 1 tiers à l'intérieur, 1 tiers fois 9 qui est 3, 1 tiers fois moins 6 qui est moins 2, 1 tiers fois 3 qui est 1, 1 tiers fois 3 qui est 1, 1 tiers fois 0 qui est 0, 1 tiers fois 12 qui est 4. Donc, tu rentres le chiffre en dedans, tu multiplies toutes les entrées, that's it, that's all pour la multiplication scalaire. On a un dernier exemple ensemble où on combine entre guillemets là, les deux. Donc, juste un exemple ici, on a deux matrices, A et B, deux matrices 3 par 4. Donc, tant qu'à être là, on va l'écrire. Là, donc, ça, c'est des matrices. Là, donc, A et B, OK, c'est deux matrices qui ont trois lignes, quatre colonnes. Donc, toujours bon là, de se familiariser avec la notation. Donc, j'ai deux matrices 3 par 4. Puis, je veux calculer la matrice C, qui est A plus 2B. Donc, la solution est relativement simple. J'ai déjà tout tapé pour vous, là. Donc, je veux additionner A plus 2B. La première chose que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 à l'intérieur de la matrice. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois moins 3, c'est moins 6. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois moins 5, c'est moins 10. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois moins 4, c'est moins 8.
2 fois 5, c'est 10. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, je multiplie à l'intérieur de B le 2. Ensuite, j'additionne. Peut-être changer de couleur juste pour illustrer ce qui se passe. Donc, 1 plus 4. 1 plus 4 qui va donner 5. Honnêtement, là, OK, moi, je sauterais cette étape-ci, là, mais tant qu'à être là, on n'a rien à faire. En casse-ouire, on va faire notre vidéo. Donc, moins 1 plus 4. Donc, moins 1 plus 4 qui me donne 3. 3 plus 4. 3 plus 4 qui me donne 7. 1 plus moins 2 qui va me donner moins 1. Moins 4 plus moins 6. Moins 4 plus moins 6 qui va me donner moins 10. 5 plus 2, 5 plus 2 qui me donne 7, moins 7 plus moins 10, ça va me donner moins 17, 2 plus 4, ça va me donner 6, 3 plus 4, ça va me donner 7, 6 plus moins 8, ça va me donner moins 2, 9 plus 10, ça va me donner 19, puis 3 plus moins 4, ça va me donner moins 1. And that's it. Donc, vraiment, addition, soustraction, le boîte de même format, on additionne comme qu'on est habitué, comme si on avait à guesser qu'est-ce qu'il faut faire. Multiplication par un scalaire, tu rentres le chiffre dedans, that's it. Puis vraiment, l'addition et la soustraction et la multiplication scalaire sont exactement les mêmes qu'est-ce qu'on faisait avec des vecteurs. Tu peux additionner deux vecteurs de la même dimension, mais tu peux toujours multiplier n'importe quel vecteur de n'importe quelle dimension par n'importe quel chiffre. Puis pour les matrices, donc jusqu'à date, là, de définir une matrice, une boîte de chiffres, quand est-ce qu'ils sont égales, deux matrices de même format, il faut que les entrées dans leurs positions respectives soient les mêmes. T'additionnes, on additionne les entrées sur leurs positions respectives tant qu'ils sont de même format. Puis ensuite, même chose pour la soustraction. Puis ensuite, pour la multiplication scalaire, c'est toujours défini, tu rentres ton chiffre en dedans. Donc, c'est vraiment facile manipuler les matrices. Wrong. OK. La multiplication scalaire s'en vient, puis ça, c'est un petit peu moins facile. OK, mais anyways, pour la partie facile, qui est des matrices, that's it, bye-bye, là.